Salut tout le monde, ici French Doge. Donc, on va jouer à un nouveau jeu aujourd'hui. Un jeu d'un style particulier. Un jeu de pêche. Wouh ! Qu'est-ce qu'on est foufou ! Alors, qu'on m'explique quelle est la différence entre l'homme 1 et l'homme 2, si ce n'est le t-shirt. Quel est l'intérêt de mettre homme 1, homme 2, alors qu'il y a juste le t-shirt qui change? Et je vais l'appeler... Eh bien, c'est parti! Avant que la leçon ne commence, faisons quelques pas pour nous habituer aux commandes. Et pour le fun, je vais aller dans l'eau. On peut y aller? Ah, on peut pas y aller! Oh, dommage. Oh, le contre-jour. Parfait. Il semblerait que vous ayez compris leur fonctionnement. Sinon, la journée aurait été longue. Oh, mais c'est qu'il est drôle! C'est que la voix off est drôle! Oh oh! C'est bon, je suis là. C'est bon. Oh, les gens m'ont disparu. Je fais ah, je m'en tiens ah. Eh ben. C'est bon, je suis sur l'endroit. Oh, oh le jeu. Regarde-moi, je suis sur ton point de contrôle, le jeu. Allez, je maintiens. Ah là. Allez. Le jeu, écoute-moi. Écoute-moi, le jeu, s'il te plaît. Bon, il est temps de parler de votre matériel. Pourquoi ? Ah oui, il faut. Oh, pathétique ! Oh oui ! Là, c'est bon. Allez, Chouberina ! What? What? Yeah! Parfait. Vous avez une touche. Voyons si vous avez bien écouté. Commencez par mouliner pour tendre la ligne et entrer l'hameçon. Mais gardez un œil sur la tension. Si vous perdez ce poisson, vous me devrez un nouveau chud rig. Attendez un peu avant de mouliner davantage pour limiter la tension. Et s'il y a trop de tension, j'imagine que vous devrez m'acheter un nouveau chud rig. Approchons ce poisson de la berge pour l'attraper avec les fusils. Vous pouvez placer la canne sur le côté pour tirer le poisson dans une certaine direction. Cette technique permet de garder le poisson à l'écart des lits de végétation et de le guider. Allez ! Viens ! Oh, ça va ! Excellent ! Vous allez bientôt pouvoir attraper ce poisson avec les fusettes. Ramenez-le juste encore un peu plus près. N'oubliez pas de tirer la canne et de ramener le mou de la ligne pour bien rapprocher le poisson. Voilà, c'est l'heure de vérité. Il est temps d'attraper le poisson avec les fusettes. Commencez par prendre les fusettes. Regardez, vous avez attrapé une belle carpe commune. Vous avez également obtenu des points d'expérience et de matériel. Relâchons ce petit bonhomme dans l'eau et arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Ben non, je veux le garder moi. Hé! Ouais, mais je veux recommencer mon lancer! Come on! Mais le jeu, laisse-moi recommencer mon lancer! Laisse-moi mouliner!
Je suis en train de pêcher des grains de sable là. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, le jeu ? Mouline ! Allez ! Oh non, me dit. Oh, ça m'énerve. Regarde, ça tourne en boucle, je peux plus rien faire. Ça tourne en boucle, je peux plus rien faire. Oh là là ! Oh, est-ce que ça mord ? Oh, bien joué ! Comme la dernière fois, gardez un œil sur la tension de votre ligne et ramenez votre cible. Regardez celui-là. Dans ta face, petit poisson pourri. Ne nous arrêtons pas pour autant en si bon chemin. Relâchons-le et voyons si vous pouvez en attraper un. Trop fort. Ah, j'ai failli m'étouffer. Ça craint d'être malade. Oh. Bravo. C'est un superbe poisson. Dommage qu'il ne soit pas très gros, mais attraper ces jolies carpes est toujours amusant. Oh boy! Oh, c'était nul! Mana! What? À peine un mètre! Ouais, c'est pas évident avec la fusée. Voilà. Waouh! Ok, je l'ai envoyé sur le pont! Excellent. Vous avez atteint la cible. Semblerait que la fête n'ait pas encore commencé. Donc, plutôt que de rester là, la canne à la main... Ah bon, touche, j'ai atteint la cible. Vous pouvez déposer votre canne et détendre vos bras. Et pourquoi j'ai mis du temps, voilà. Oh boy. Vite, retournez prendre votre canne avant qu'un poisson ne l'emporte. Allez, oui, mais... vous allez y arriver. Ramenez ce poisson. Mais comment je prends ma canne? Oh, reviens toi. Vous avez attrapé une autre belle carpe commune. Vous y prenez goût, pas vrai? Terriel équipée sur une canne, vous devez d'abord la tenir. Puisque vous avez déjà celle-ci en main, pourquoi ne pas modifier ses options de matériel? Petit conseil, j'ai déjà lancé des lignes dans cette zone et elle est pleine de limon. Optez pour un montage et un appât approprié au lit de limon. Lorsque tout est prêt, lancez votre ligne. Non mais tu peux pas le donner plutôt ton conseil ! Wow ! N'oubliez pas de ne... Oh, attendez! Vous entendez ça? Retournez vite à votre canne, vous avez une touche! Allez! Oh! Dépêchez-vous, ce poisson va vous échapper! Oui! Poisson ferré! Ramenez-le! Voilà! Quelle belle façon de terminer la session! On dirait que vous avez attrapé une belle carpe commune. Si j'arrive à pêcher un petit... Enfin là, vu la description du jeu, ça va être des gros poissons. Mais si j'arrive à pêcher un poisson, c'est génial. On conclut le tuto en beauté. Ah ouais, quand même, il y a énormément de postes. Il est énorme, ce lac. D'autant plus qu'on peut pas sprinter. Hein, un pêcheur, on sait tous que ça sait pas courir. Là, c'est un poste. On va prendre ça, voilà. Là, si, c'est un poste en fait. Ah si, c'est un poste de ce machin.
On n'y touche plus. Oh, oh, oh! Allez! Shot the bad boy! Reviens là, petit poisson. Je ne te veux aucun mal. Comment, le petit poisson? Laisse pas le choix, j'augmente un peu. Laisse-moi de résistance. Allez! Qu'est-ce que tu es? Oh! J'ai eu un poisson plus gros! Ouais! Je veux pas que je meure de suite. Bon, ça on s'en fout. Mais j'ai eu un poisson plus gros! Oui!